attaquants qui ne demandent qu'à être face à face à leur gardien. Et on le voit se démarquer, faire le nécessaire. Là, il se jette dans le grand rectangle. Et pourquoi pas pour un centre. C'est dommage, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce qu'il y a eu une bonne idée. Il y a eu de l'idée et il faut encore. Il faut aller chercher ce but. Alors qu'il y a une belle incursion d'Oscar Kabuit qui a trouvé en pleine surface de réparation. Ah, joli geste, malheureusement, pas bien cadré. Joli geste, pratiquement. On suit d'abord cette action pour la République démocratique du Congo. Il n'y a pas hors-jeu. Ah, il s'est fait chipper les ballons. Là, c'est encore une erreur d'inattention parce qu'il était pourtant seul et bien parti, Oscar Kabuit Chikombe. Mais il a hésité. Penalty, Jean Dédier, penalty. Ah, finalement. C'est bien, c'est ça qu'on veut voir. C'est ce que j'attendais de ces garçons. On voit la réaction. On voit que les garçons ont envie. On sent beaucoup. Bon, maintenant, on ne sait jamais ce qui peut arriver lors d'un tir au but. Je pense que c'est logique que ce soit Orso Mwaku. Donc, le face-à-face, Orso Mwaku, Rodi Yvon Ndende. Alors, pratiquement à 15 minutes de la fin de cette première mi-temps, Orso Mwaku, Rodi Yvon, c'est les duels à suivre sur ces pénaltys. Orso Mwaku face à Yvon Rodi. Voilà. Et contre-pied parfait pour Orso Mwaku qui rétablit l'équilibre dans ces matchs. Un pour la RDC, un pour le Gabon. Et cette égalisation qui arrive pratiquement à la 30e minute exactement sur ce contre-pied parfait. J'étais tenté de dire que la dernière fois que les Léopards ont eu un pénalty, c'était face à l'Ouganda, match amical. Miguel, on avait encore la chance d'être au commentaire de ces matchs entre la RDC et l'Ouganda. Un Gabon 1, c'est un autre match qui commence. C'est une très bonne chose, c'est l'avenir des Léopards, c'est l'avenir du pays. Et c'est une très bonne chose parce que ce garçon a vécu une année un peu compliquée. Le championnat s'est arrêté, ça fait 4-5 mois que ce garçon n'a plus joué. Et quand il peut marquer et encore se rappeler que c'est un buteur maison, ça fait plaisir de le voir marquer ce pénalty, montrer la voie à suivre à ses collègues. Et je l'avais dit, j'attendais ce sursaut d'orgueil. Ils l'ont fait au bon moment. Le match est lancé et on s'apprête à vivre une après-midi exceptionnelle ici au Stade des Martyrs. Et à cette charge irrégulière pourtant, il aurait pu tomber comme vous l'avez souhaité. Mais dommage pour lui qu'il est resté debout. Et l'arbitre, lui, n'a pas trouvé utile d'accorder un coup franc à la République démocratique du Congo. Claude Massiri Luendo, qui évolue du côté de Sa Majesté Sangabalende de Mbujumaï. Et là, c'est le pauvre Chris Mbende Sanja, auteur du but contre son camp à la 19e minute. On espère bien qu'il a gardé haut son moral alors qu'il y a une bonne opportunité. Oh, la frappe! Elle est limpide. Et c'est un doublé pour Orso Mwaku qui a bénéficié de cette erreur d'inattention de son garde du corps gabonais. Ça ne pardonne pas quand on a un joueur qui ressemble un peu plus à Ben Malangongita. C'est pratiquement le même profil, Miguel Matinongina. Et là, on sent qu'il a ses flairs de tireur d'élite, il a ses flairs d'attaquant de pointe. Et là, ça n'a pas pardonné. Il a trouvé facilement la faille dans cette défense. Un peu de nouvelles consignes pour reprendre ce match en deuxième mi-temps avec beaucoup plus de force. Maintenant, il faut gérer. Maintenant, ce que j'attends d'eux, c'est de voir de quelle manière ils vont gérer cet avantage. Parce que quand on met deux buts à la maison, on revient avec la victoire. On est dans les 10 dernières minutes. Et là, encore non, une frappe dévissée, malheureusement. Non, gamin, il y avait mieux à faire.
Il y avait Orso qui était là, qui pouvait marquer son triplé. Il y avait l'ailier qui était là. Il y avait les deux 8 qui étaient devant, qui étaient à l'entrée du rond rectangle. Il fallait être beaucoup plus malin. Mais bon, c'est... de trouver avec cette longue gauche gauchée. Et les contrôles complètement ratés. Attention à cette balle. Ah, de la tête. Il faut être présent, il faut être présent. Il faut être présent, Jean Dédier. Les garçons sont trop laxistes. Une défense trop passive. Et ça ne peut pas se jouer comme ça. Il faut être beaucoup plus compact. Et là, c'est la cala la mania, pratiquement. C'est ces jolis gestes que brandissent tous les joueurs après un but, pratiquement ici, avec cette égalisation qui surprend pratiquement tout le monde, avec Curtis Junior Makoso Mungandi, le numéro 7 gabonais, qui égalise à la 38e minute. Quelle partie, quel match, quel spectacle! Fatchy Cup. Pour les Léopards qui ont mené que pendant 3 minutes, puisque le Gabon a réagi grâce à Curtis Junior Makoso Mungandi à la 38e minute, alors qu'il y a Oscar Kabuit qui peut permettre à ces Léopards d'aller à la pause avec un but d'avance. Ah, jolie frappe, malheureusement dévissée du capitaine Charvet Sangana Onoya, qui n'a pas réussi à cadrer son ballon. C'est pratiquement la mi-temps. On voit essayer si Silver rester au sol. Mais il s'est vite relevé. Et là, c'est Claude Massiri Luendo avec Ferdinand Mukandila. On a essayé cette belle chevauchée, malheureusement le ballon qui file en touche pour Ferdinand Mukandila. Certainement que ça sera l'une des dernières balles contrôlées par la République démocratique du Congo. Et on n'ira pas loin